les histoires de la semaine avec Poupi. Il faut suivre l'instant de la vie. Les histoires de la semaine avec Poupi. Social, culturel et politique. Les histoires de la semaine avec Poupi. Les histoires de la semaine avec Poupi. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Les Étoiles de la Semaine, émission présentée chaque vendredi sur RPTV, dans YouTube et dans Facebook. Cette émission est également disponible sur Fort Diaspora TV, dans West Palm Beach, dans Port St. Lucie, avec l'autre localité avoisinante. Émission Satou, l'arrivée dans New York, grâce à Radio Delta, qui relaye nous en audio. Son émission côté que nous font coup d'œil sur différentes activités qui gagnent dans la communauté pendant la semaine qui sont passées là et côté que nous longeons d'ouette sur des Haïtiens qui ont fait des bagages positifs. C'est ça qui fait que l'émission ça a l'hypothénon les étoiles de la semaine. Bonjour et jeudi, émission divisée en deux parties. Dans un premier temps, nous allons parler de Haitian Heritage Month Celebration qui était déroulé du côté de Miramar. Tu gagnes deux Haïtiens pour PBT qui en vedette. Nous voulons parler de artiste Dalinde Skayombo avec Dadou Pasquet yon l'autre bord. Dans l'émission Journée Jeudi, on a eu l'opportunité pour nous tendre déclaration artiste dans micro nous en plus de performances qui ont été faites dans l'occasion. Dans la deuxième partie programme, nous prenons un reportage sur Gourmet Créole Food Festival qui était déroulé dans la ville North Miami week-end écoulé. Côté que manger haïtien était fait Mikalao, bonjour manger haïtien était en vedette. Tu as pour pipiti 5 chefs haïtiens qui ont même mis la main à la pâte pour que tu es capable de manger bonjour manger haïtien. Nous t'es présent, nous t'es fait interview avec Pifola Danyo, nous pral faut vivre. Comment ça t'est, amis téléspectateurs? Avant que nous prenions première pause, nous, dans l'émission Jeudi, nous t'aimons rappeler, une autre fois encore, que nous toutes, qui avons gardé là, nous invités pour nous venir participer dans la soirée célébration 8e anniversaire à RPTV. C'est pral dans Casa Champette le 8 juin qui a vu là son samedi. Et côté que orchestre qui jouait bon compas à Osé Troubadour, pour l'opportunité pour le capable mettre animation dans soirée ça. Nous gagnons également une vedette dans le domaine de la poésie qui c'est artiste poète André Fouade qui s'est invité spécial soirée qui gagne des nouveautés tout neuf que le pral gagne pour lui décacheter dans soirée ça. L'entrée est seulement fixée à $25. Nous t'a souhaité ouais en pile nous vienne participer dans soirée ça. Tickets déjà disponibles dans eventbrite.com et également disponible dans Casa Champette. Nous t'apprécions qu'on achète ticket à l'avance pour venir fêter ensemble avec nos amis téléspectateurs. On nous propose l'entourné, détails, informations que nous gagnons aujourd'hui dans l'émission Les Étoiles de la Semaine. Vous êtes tous invités à une soirée de gala pour fêter le 8e anniversaire de Hopi Production TV, samedi 8 juin 2024, à Casa Champette de Pingbou Pines, Florida. À l'affiche, l'excellente formation musicale Arrosé Troubadour en performance live. Artiste invité, le poète André Fouade, dans la publication de cette dernière création, maître de cérémonie Rupi The Entertainer, vient fêter les 8 ans de RPTV au rythme de Arrosé Troubadour, samedi 8 juin 2024, de 10h du soir à 2h du matin, au 7920 Pines Boulevard, Pembou Pines, Tokida, local Casa Champette. Tenue de soirée, messieurs, dames, pour le gala 8e anniversaire de Rupi Production TV. Admission, $25 à l'avance, $30 au guichet. Pour acheter ticket par online, visitez RPTV Gala dans eventbrite.com ou bien relayer Roupi dans 973-517-6308 à l'extimer dans 305-895-8006 Casa Champette dans 954-983-5046. Le gala de la célébration du 8e anniversaire de RPTV avec Arrosé Troubadour le samedi 8 juin 2024 à Casa Champette est placé sous le haut patronage de Sunrise School of Nursing, Office Avocat Fester Pétion, Yertax Group et Maxi Sound Productions. The International Fathers Association, son école en rassemblement pour 33e édition Father of the Year event qui a déroulé à Nessa, samedi 15 juin 2024 dans le local Tradition Town Hall qui est dans Port St. Lucie, Florida.
comme d'habitude, 10 pères de famille à honoré et Youn Ladaïo a couronné père de l'année 2024. Et pour embellir cette soirée, performance live de l'artiste Anna Pierre, Succou Bobon, Brother J, la talentueuse Ange d'Orcelli et animation musicale avec ambiance créole jazz band du maestro David Lacombe qui va le faire donc bien danser. Maître de cérémonie, Ropi the Entertainer et Queen Jennifer Lovelace. Rendez-vous cassé avec la fête des pères, samedi 15 juin 2024, de 7h du soir, 1h du matin, notre tradition Town Hall, qui dans 6799 Southwest Civic Lane, n'importe cette aussi, Florida. Admission, $100 par personne, dîner complet inclus, live entertainment, messieurs, dames. Ticket en vente à l'avance seulement, dans les jours d'IA, notre 305-274-66. Avocat Fester Pétion et son équipe, t'as rien fort songer que le parler pour gérer tout cas légal qu'a bord tracas, accident machine, vie pute tombée dans le travail, le mort de la loi, arrestation pas comprendre, c'est relé Maître Fester Pétion, 954-404-74-96. Pas occupé Zot qui pas parler langue pao et qu'a promettre la communion sans confession. Relé Maître Fester Pétion qui saute remporter victoire légale plus passer $2 million pour année 2021, sans compter tout un palmarès de victoire devant la loi pendant plusieurs années. Relé 954-404-74-96. 504-74-96, puis en consultation gratis depuis ou bien cas. Et puis tout, avocat Fester Pétion et son équipe, il y a plus passé 60 ans d'expérience dans Claim Adjuster, assurance, medical malpractice, property damage, maison privée, coût business, dossier criminel et l'autre encore. Avantage pour vous, c'est que Maître Fester Pétion, c'est un membre actif de Million Dollar Advocate Forum pour bon service avec victoire cas plus passé $1 million. Qui dit mieux? Messieurs, dames, depuis ces problèmes légaux qui présentaient dans la vie aux solutions normales sans tête fait mal avec office avocat Maître Fester Pétion qui dans 19790 West Dixie Highway suite 701 Aventura Florida en face Aventura Mall. Téléphone 954-404-74-96 ouvert du lundi au vendredi de 8h du matin à 6h du soir, le samedi sur rendez-vous fermé le dimanche. Maître Fester Pétion et son équipe, c'est victoire garantie dans tout cas légal qu'à votre cas. Talmé faut connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, ensuite 304 Pingo Pines, Florida, dans Hampton Business Center pour la Buy Service Tax Resolution pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Relais 954-362-5199 pour casser un rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de IRS qui a demandé règlement taxe, relais 954-362-5199. Pierre Philanthrope, de plus passé 25 années d'expérience, n'a représenté client devant IRS. Lié au Master Degree en loi Taxation aux États-Unis de l'Université de Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pingo Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxe qui est capable d'amender tax return qui pas correct, ni qu'à préparer taxi en retard, ni qu'à aider au gérer TaxLink, TaxLevy, Innocence Pass Relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la vie. Et si vous êtes un comptable, vous soyez un monde qui fait une taxe dans la communauté et vous avez un ou plusieurs clients qui sont capables de faire une taxe très compliquée, vous avez Pierre Philanthrope. 954-362-5199, la PDO gérée. Pierre Tax Group, 15800 Pines Boulevard, suite 304 Pingo Pines, Florida, dans un Pong Business Center. Website piatax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe résoudre pour cadomie de tout repos. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954-765-6919 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour
pour vous, c'est que classe offrit le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride, ou qu'après un classe, relayez pour plus d'informations dans 954-765-6919. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'état et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954-765-6919. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Yon l'autre fois encore, amis téléspectateurs, nous apprécions qu'on était branché dans l'émission Les Étoiles de la Semaine pour journée aujourd'hui. Premier élément d'information qui soulisse nous, c'est la célébration Haitian Heritage Month qui était déroulée du côté de Miramar sous initiative magistrat en après qui vient dans Ville ça qui c'est Alexandra Davis, que justement nous avons interviewé dans l'occasion. Nous pourrons vivre un reportage complet côté que vous pourrez suivre, non seulement les interviews sur le vif avec artistes qui ont performé dans l'occasion. Nous avons également des performances qui étaient faites dans les soirées. Tout ça qui est passé, amis téléspectateurs, dans un reportage complet. C'est sous initiative vice-magistrat Ville Miramar, Alexandra Davis, que moi, héritage de la culture haïtienne, t'ai célébré samedi qui s'est passé là. Après la parole et bienvenue avec maître de cérémonie événement, Meka Grimo, vice-magistrat Alexandra Davis, t'ai expliqué l'importance événement compte tenu de volume haïtien qui vivent dans la ville. Là. Troupe de danse, la Koulakay, t'es bail plaisir. Artiste Darlene Deska t'es chauffé public là avec belle musique. Dadou Pasquet, pas manqué, mettez bon genre animation dans célébration. Hein. Nous t'ai parlé avec vice-magistrat Miramar, Alexandra Davis. Nous t'ai demandé comment t'es fait pour le capable mobiliser tout haïtien ça. Word of mouth, and we have a very extensive e-blast network that we e-blast things out to the community. So, you know, and people respond. They love that we do it here. I mean, it's a free event, so, you know, it's always lucrative to come to a free event and enjoy something that doesn't cost you anything and immersed in your culture. So we're pretty much diverse. And I would have say the three dominant cultures would be the Hispanic, the Haitian, and the Jamaican. Now, do you feel that the Haitians are really involved in the community, or do you feel that they need to be more involved? They're very involved. You know, I learned from a Haitian about politics, so they know more than many about how to mobilize and to fight for a cause. So they know, they are very much engaged. But a lot of it is, you know, as a city, we make sure we're inclusive. We're not exclusive. Well, one thing we want to do is make sure we always remember Haiti and the sacrifices that they've made being the first Black Republic. They showed us the way to freedom, and we appreciate them. And we know the struggle is real in Haiti right now. We want to say that we are standing with them, and we just hope that someday soon we'll be able not just to celebrate Asian Americans here, but to go celebrate the real culture right in the land of Haiti. Bon côté parlé, artiste solo Darlene Deska après performance ti té nan micro nou, li té fait songer que li a couru sous 15 l'année depuis li nan business musique haïtienne nan. Actuellement, li a fait 2-3 jours aux États-Unis, c'est dans pays d'Haïti que la vive, et li té vle lancer son message ba tout haïtien, particulièrement ka vive dans pays d'Haïti nan moment. Célébration fête drapeau année 2024 là. Bon, KBFM pa moli parce que ça va c'est pas destination finale nous ça ca privé là jodi hein donc on pense que bientôt on a pour lumière c'est moment fait noyau on nous KBFM on nous rester soudé pour que nous capable changer bagaille gens nous capable bon côté parler artiste solo Dadou Pasquet qui t'est performé dans occasion t'est fait connaître que désormais li changer style li pral venir avec un CD qui pral gain sous li des musiques afrobeats et artiste t'est joué pour la première fois devant public Miramar là musique tout neuf qui porte nom Bekate son style nouveau me l'a dit mais comme Dadou Pasquet son c'est musique qui en dedans moi aime toujours à chercher l'autre bagaille. Donc, je viens de tomber dans un style que généralement le public n'a pas connu dans ce style ça. Mais comme moi-même, je n'ai pas de frontières dans la musique, et surtout avec Timé Fiumio,
Donc, je parle avec la musique sacrée, les becs à terre. Et que je me surprise, réponse que je me vois dans mon soir. Donc, ça me capable de dire que l'album is on the way. Il y a 10 musiques sur l'album nan, et c'est Afrobeat. C'est un autre route totalement de Dadou Pasqué. Donc, je souhaitais que l'heure sorti, que nous checkions parce qu'il est sur toute streaming plateforme. Yo. Comme nous toujours connaissons, Dadou toujours fait album d'in séparément de Magnum Band. Quoique c'est même poisson écrasé dans le bouillon. Hein. Dadou c'est Magnum, Magnum c'est Dadou. Mais une grande pile de musique qui en dame que je ne peux pas jouer avec Magnum. Et que le public n'a toujours pas qu'on aime sous forme ça. Yo. Donc, la musique n'a pas de frontières réellement. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour me foncer, si vous voulez, arriver plus devant avec l'autre genre de musique. Nous mettons à nous à Faux Beat d'Adou Pasqué, album d'après les générations. Dernier mot, un message pour Haïti. Ah, enfin, mais dernier mot, c'est pas que j'aime mon dernier mot. Parce que c'est bien malheureux, Haïti, qu'on y a vingé deux Haïtiens. Vingé un Haïtien, qui est un peu mieux, un Haïti qui est belle, un Haïti qui a développé. Et un Haïtien tout qui t'a aimé ou écrasé du moment qu'il a fait l'argent, du moment qu'il est bon pour yo. Donc malheureusement pour Haïtien ça yo, c'est l'argent qui bon Dieu, t'as comme dit Bekater. Donc moi-même, m'a toujours m'a perdu espoir, m'a toujours persévéré et me pensais que moi souhaitais que bon Dieu bonne la santé pour nouvelle Haïti qui va venir. Toute mélomane qui a coûté là, invité dans une soirée de haute dimension musicale, vendredi 24 mai 2024 dans Casa Champette, avec deux grands ténors de la musique, Eddy Brissot en performance live et vente signature de cette toute dernière proposition musicale, également à l'affiche Ouli Saint-Louis-Jean dans un showtime bien spécial pour les invités présents. Vin savourer bon musique et belle performance vendredi 24 mai 2024 dans 9h du soir dans 7920 Pines Boulevard, Pembou Pines, Florida, local Casa Champette. Admission $30 à l'avance. Pour acheter ticket par Jodia, relais 347 525 84 59 203 650 49 65 ou encore 646 600 32 63. South Florida, on Saturday, June 29th. Join Hope for Children, Inc. for the 9th annual A Promise for Haiti fundraising dinner gala with a grand performance by New Look. New Look is set to perform at one of the most important events of the year. Saturday, June 29th at the Event Center, 6101 Northwest 31st Street, Margate, hosted by Rupee and DJ Nicky Mix. Minimum donation is only $175 with open bar, hors d'oeuvres, with dinner included. The 9th annual Hope for Children, A Promise for Haiti fundraising dinner gala, Saturday, June 29th at the Event Center, Margate. Doors will open at 7 p.m. till 2 a.m. Sponsored by Sunset Home Health Care Services, The Lewis Law Firm, Pompano Beach Healing Center, Town Health and Rehab, Dr. Vincent A. Bilello, Law Offices of Laura Esri, Auto Parts Plus, AHF, All in One Global Services. For more info, call 954-675-5762 or 561-777-2515. This June 29th. L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs, les étoiles de la semaine pour journée aujourd'hui, hein, vient nous traverser dans la ville North Miami, côté que t'es gain Gourmet Créole Food Festival qui était organisé dans ville sous initiative ville North Miami mais avec commissionneur Marlène Bastien. C'était occasion pour que manger haïtien t'ait fait mikala ou dans zone nan, côté que moun à tribord et à babord et même au centre bord t'a mangé bon jan manger haïtien. Te gen pour Pépiti, 5 chefs haïtiens qui tabaye bon manger. Nous pral fò vive des interviews que nous te fait ensemble avec yo, y inclut yon reportage sur tout ça qui t'est passé. C'est samedi que saute passé là, sous l'obédience ville North Miami, menamé avec commissionnaire Marlène Bastien, que Gourmet Créole Haitian Food Festival te déroulé dans l'État Floride. Sauti dans fait épice, en passant par pâté codé, pour arriver dans maï moulin, pifo plat haïtien te disponible pour le grand public goûter et acheter. Pour Pépiti, 5 chefs haïtiens t'ont exposé talent yo dans affaire qu'on fait manger dans festival La Mangeaille là. Parmi nan yo, chef Chosen qui sorti Atlanta, Georgia pour venir participer et li gagne propre épice li sou marché a. Chef Gabi qui a plus passé 30 l'année expérience,
chef Fortune qui a couru sous plus passé 3 ans dans le domaine nan. Chef Louisa qui a 40 années d'expérience avec chef Rob qui a 20 années d'expérience et qui t'a choisi dans l'occasion pour te préparer des qualités pâté codé. Nous avons décidé pour me faire farina avec John John. So farina c'est John John, mettez l'autre épice là-dedans. M'a fait des qualités pâté codé, une traditionnelle avec aranso avec hot dog et puis m'a fait une seule aranso seulement si gen moun qui va manger hot dog, qui va manger viande du tout. Star c'est farine John John. Bon côté Pali, chef Louisa qui t'a préparé divers manger la caille dans l'occasion, t'es bay disons li sous festival la mangeaille là. Bien content aujourd'hui hein. Moi tout le monde t'est content, jeune chaka, jeune tout manger que pas manger longtemps, ça fait au son, ça fait au son GPIO. Dans finissement journée, VOA Créole t'est parlé avec commissionnaire Marlène Bastien qui t'est bay nous plus détails concernant Gourmet Créole Haitian Food Festival dans ville notre Miami. Bon, depuis mon commissionneur, c'est la première fois que j'ai organisé le Food Festival. Mais l'année dernière, nous avons différentes activités. Mais l'année ça, nous avons inclus le Festival Manger hein, pour encourager tout notre groupe ethnique, pour encourager tout notre groupe ethnique, pour venir goûter manger haïtien. Non seulement manger haïtien, mais pour faire connaissance avec culture, nous, musique, nous, artisage, nous. Toute qualité ressources donc gagné pour montrer belleté culture pays d'Haïti donc gagné aujourd'hui et dans différentes activités n'a fait on a toujours fait ça. Quelques participants ont exprimé satisfaction yo et pas regret qu'ils étaient présents. Parmi nan yo yon citoyen qui pas gagné longtemps depuis le sorti dans pays d'Haïti et habité dans l'état Floride. Moi haïtien organisé moi autant que me fait venir dans pays là bon moi haïtien vraiment organisé yo les dehors bon on est content pour parce que première fois m'pas participer là-dedans. Nous avons un bon bagage. Faut aller en belle en pile parce que il y a un pile produits haïtiens. Il montre une série de stands qui montre qui gens pour faire picris. Une série de stands qui montre épices haïtiens et une série de gens qui présenter manger haïtien qui fait que les promouvoir culture nous. Non pam, c'est juste de on serait pour voir créole dans ville North Miami état Floride. Nous arrivons dans le finissement émission journée aujourd'hui en les étoiles de la semaine. Amis téléspectateurs, nous espérons que nous arrivons sous avec ça que nous porté dans l'émission journée aujourd'hui. Pas oublier que vous invitez pour venir participer dans la soirée célébration 8e anniversaire RPTV dans Casa Champette. C'est samedi 8 juin qui a vu là. Il y a une entrée qui selon fixé à $25 à l'avance. Et côté que orchestre qui joue bon compas à Rosé Troubadour pour mettre animation. Nous tous nous invités pour nous participer. N'attendons, amis téléspectateurs, tickets disponibles actuellement dans Casa Champette, également dans le site internet eventbrite.com. Nous espérons que nous sommes capables de compter sous présence. C'est un plaisir, amis téléspectateurs, pour nous présenter l'émission journée aujourd'hui. Nous avons cassé rendez-vous week-end prochain pour notre émission Les Étoiles de la semaine avec Oupi. Bon week-end. Vous êtes tous invités à une soirée de gala pour fêter le 8e anniversaire de Hopi Production TV, samedi 8 juin 2024, à Casa Champette de Pingou Pines, Florida. Dans l'affiche, l'excellente formation musicale Arrosé Troubadour en performance live. Artiste invité, le poète André Fouad, dans la publication de ses dernières créations, maître de cérémonie Rupi The Entertainer, vient fêter les 8 ans de RPTV au rythme de Arrosé Troubadour, samedi 8 juin 2024, de 10h du soir à 2h du matin, au 7920 Pines Boulevard, Pembou Pines, Florida, local Casa Champette. Tenue de soirée, messieurs, dames, pour le gala 8e anniversaire de Rupi Production TV. Admission, $25 à l'avance, $30 au guichet. Pour acheter ticket par online, visitez RPTV Gala dans eventbrite.com ou bien relais Roupi dans 973-517-6308 à Alex Timer dans 305-895-8006 Casa Champette dans 954-983-5046 le gala de la célébration du 8e anniversaire de RPTV avec Arrosé Troubadour le samedi 8 juin 2024 à Casa Champette est placé sous le haut patronage de Sunrise School of Nursing, Office Avocat Fester Pétion, Pierre Tax Group et Maxi Sound Productions. Amis téléspectateurs, nous saluons. Nous sommes c'est Jude de Onsre, qui en pile nous connaît sur nos Rupi The Entertainer. Et nous actuellement dans le studio de production Rupi Production TV. Et nous devons prendre un petit moment ça pour nous capables de renouveler l'invitation que nous avons déjà lancée depuis quelques semaines pour l'anniversaire RPTV qui a déroulé le samedi 8 juin Capvina dans Casa Champette, le Pingou Pines, État Floride.
faut dire que Whoopi Production TV, c'est 8 ans de ça que nous t'ai fait l'idée pour nous t'ai l'ouvrir service audiovisuel ça dans l'état Floride. Et journée jodi an côté que nous pral célébrer 8 années plus tard, nous pas taka pi content passer ça parce que c'est une entreprise nous capable dire qui rivé sur le grand public. Li important pour signaler que l'enta dérapé définitivement, c'est avec un pile qui est cassé que nous t'ai dérapé timidement. Alors PTV 8 ans de ça. Mais journée jodi an que n'a célébrer 8e anniversaire télévision an, nous gagne pile satisfaction, satisfaction à tous les niveaux et satisfaction au niveau de volume moun k'ap gade nous. Et nous capable dire l'ente dérapé, n'te dérapé avec pratiquement yon seule émission que n'te kon fait chaque samedi de 30 minutes d'antenne qui était Whoopi Culturel TV Show. Et avec le temps, nous vin jounen jodi an Louisel nou, c'est le cas de le dire, grâce à un pile moun k'ap gade nous. Et côté que 8 ans plus tard, nous satisfait, nous content pour nous dire que nous pratiquement sous presque toute chaîne télévision et local qui gagne dans l'état Floride, si gagne 5 chaînes télévision locales dans l'état Floride, nous en 4 là-dedans yo. Côté que nous gagne des émissions régulières et sans compter dans réseaux sociaux yo, nous gagne des émissions quotidiennes qui faites dans channel YouTube nous également programmé émission yo dans Facebook, nous également gagne émissions qui passaient localement sous chaîne télévision et nous gagne même des émissions qui retransmettent en audio sur radio. Donc nous pataka pi satisfait parce que ça zami téléspectateurs et gen pile moun qui aborde nous qui fait nous connait remet production que nous mettait sur le marché et ça va nous encouragement et pour nous capable faire plus. Donc nous pas le dire plus journée jodi a zami téléspectateurs, c'est seulement une invitation que nous devons lancer pour capable de célébrer avec nous parce que samedi 8 juin prochain pour qu'elle fait nous exactement 8 ans d'existence et nous t'aimer fêter avec tout le monde qui habitué garder nous qui habitué suivre nous que nous quand nous rencontrer dans pile activité dans communauté hein. Donc n'a pas cassé rendez-vous avec vous samedi 8 juin dans Cassa Champette dans soirée de gala pour célébrer 8e anniversaire nous. C'est l'orchestre bien connu à Osé Troubadour qui pral faire nous danser, c'est l'artiste invité André Fouad qui sont excellents poètes haïtiens qui pral gagner pour lui performer comme artiste invité et poète là gagner des nouveautés et sur le marché, c'est pas l'occasion pour capable faire connaissance avec nouvelle production que li gagnent pour le grand public. Donc n'attend tout le monde. C'est samedi 8 juin et façon pour acheter ticket ou premièrement sous croise avec nous dans différents événements communautaires que nous déjà prend pas et dans semaine qui vient là nous gain plan pour faire partie de en pile activité qu'a fait dans communauté, toujours marcher à ticket et abordez-nous, mandez-nous ticket à $25 seulement. Et pour moun qui gen facilité entrer dans site internet online, nous gagnons eventbrite.com, loal nan search eventbrite.com ou mettez RPTV gala information à monter ou acheter ticket online. Et pour moun qui pas trop loin Cassa Champette, qui nan Miami, qui habite nan Miramar, qui habite nan environnement et Cassa Champette qui nan Pembroke Pines et font coup de pied nan Cassa Champette, l'an ticket ou là ou disponible à $25 à l'avance seulement. Et vous comprenez qu'il y a piché dans pote. Nous avons espéré que tout le monde qui a venu achète ticket à l'avance, de sorte que nous avons une belle fête qui est programmée avec un nombre de personnes que nous parions pour nous recevoir. Donc, ceci dit, amis téléspectateurs, nous avons réitéré cette invitation pour le samedi 8 juin prochain, dans Cassa Champette, nous attendons tout le monde. Et encore une fois, à $25 à l'avance. Téléphone pas moins, c'est 973-517-6308. Sous table, contactez-nous pour toute information et à partir de achat de tickets ou bien n'importe quelle information que vous voulez connaître concernant et soirée ça. Encore une fois, invitation lancée pour le samedi 8 juin dans Cassa Champette avec Arrosé Troubadour à compter de 9h du soir. Nous espérons que nous capable compter sous présence. La première, c'est tout le monde qui était prend un petit moment ça puis était capable suivre cette communication. Moi-même, moi c'est Jude Ronceret, non pas c'est Whoopi the Entertainer. À la prochaine. Vous êtes tous invités à une soirée de gala pour fêter le 8e anniversaire de Whoopi Production TV samedi 8 juin 2024 à Cassa Champette de Pembroke Pines, Florida. À l'affiche, l'excellente formation musicale Arrosé Troubadour en performance live.
Artiste invité, le poète André Fouad, dans la publication de ses dernières créations, maître de cérémonie Rupi The Entertainer, vient fêter les 8 ans de Harpy TV au rythme de House et Troubadour, samedi 8 juin 2024, de 10h du soir à 2h du matin, au 7920 Pines Boulevard, Pembou Pines, Florida, local Cassa-Champette. Tenue de soirée, messieurs, dames, pour le gala 8e anniversaire de Rupi Production TV. Admission, $25 à l'avance, $30 au guichet. Pour acheter ticket par online, visitez Harpy TV Gala dans eventbrite.com ou bien relais Roupi dans 973-517-6308 à l'extimer dans 305-895-8006 Cassa-Champette dans 954-983-5046. Le gala de la célébration du 8e anniversaire de Harpy TV avec Arrosé Troubadour le samedi 8 juin 2024 à Cassa-Champette est placé sous le haut patronage de Sunrise School of Nursing, Office Avocat Fester Pétion, Yertas Group et Maxi Sound Productions. Rupi Video Production Services paraît pour bord 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autre festivité. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Jodian, Rupi Video Productions, Caboy, un service 4x4 qui tape la gonne en route. 973-517-6308 ou bien 954-729-2214. Prix abordable, la caméra au féminin, image et sonorisation. Les histoires de la semaine avec Rupi. Il faut suivre les stars de la vie. Les histoires de la semaine avec Rupi. Social, culturel et politique. Les histoires de la semaine avec Rupi. Les histoires de la semaine.